Aujourd'hui, Brawl Stars a sorti deux défis, mais gratos, à 1111 pour quelques petits dégâts et relancer une partie. On va les faire tout de suite, c'est vraiment un bon plan. Je suis sûr qu'on va arriver à aller peut-être à 10, mais je pense plutôt que ça sera dans les 9. Faut vraiment pas faire d'efforts, hein, à part si vous voulez pas perdre de trophées. Moi, franchement, j'en ai pas beaucoup. Je m'en fiche un petit peu. Il suffit de mettre, voilà. C'est bon, là, mon défi est fini. J'ai plus qu'à me laisser tuer, voilà. Ensuite, il suffit de relancer. Et vous aurez vos 2000 qui rentrent dans la caisse. Et il y aura plus qu'à ouvrir. Une fois que vous êtes dans la partie, vous n'avez plus qu'à jouer votre petite partie. Pour info, j'ai fait top 2, mais c'est pas grave. On va faire une petite coupure pour se retrouver dans le salon et je vais ouvrir les petits paliers. On est de retour au salon, les 2000 dans la caisse. Comme je vous l'avais dit, on est arrivé presque au palier 10. Bon, on s'est arrêté à 9 et on en avait déjà 2, mais c'est pas mal parce que avec ces 2000 que nous avons pu récupérer, bien sûr avec les points de jeu, nous allons pouvoir faire un mini pack opening. On élimine les petites boîtes en espérant quand même avoir un truc, même s'il n'y a pas beaucoup de chance. Non, rien. On va passer maintenant aux grosses boîtes en espérant au moins avoir un gadget ou un star. Parce que les brawlers en ce moment, j'en ai pas. Les gadgets, c'est assez rare aussi. Et alors les stars, on vient d'en avoir un, mais c'est rare. Parce que pourtant, j'ai un bon niveau de pourcentage de chance. Mais ça suffit pas. On n'aura pas de brawler aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que si vous n'étiez pas au courant qu'il y avait deux quêtes à 1111 dans Brawl Stars, je vous conseille de les faire tout de suite.